Comment réaliser une véritable étude de marché en Afrique? Beaucoup de gens se posent cette question. Certains sur le continent ou même hors du continent veulent bien savoir, lorsque je vais lancer mon produit, est-ce que les gens vont me m'acheter? Est-ce que les gens seront intéressés? Alors, il n'y a pas meilleur moyen que de faire une étude de marché. Mais l'Afrique est un continent à part. Ça, rassurez-vous. Si vous voulez faire en Afrique comme vous faites en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, en ce qui concerne l'étude de marché, vous allez vous casser tout le corps, même pas seulement la tête. Alors, il y a des façons assez efficaces pour faire des études de marché ici en Afrique. Et dans cette vidéo, je vais donc vous donner 16 astuces que vous aurez à utiliser ou que vous pourriez utiliser si vous avez envie de lancer un produit, un service. Et cela va vous permettre de savoir est-ce que les gens veulent vraiment acheter, est-ce que je peux lancer mon entreprise, est-ce que je peux développer mon produit. Donc si vous êtes intéressé par cette thématique, abonnez-vous d'abord à la chaîne. Et en plus des thématiques comme celle-ci, trois fois par semaine sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agro-business. Nous visitons les exploitations agricoles, des exploitations d'élevage, parce que nous voulons vous booster pour que vous démarriez votre projet agricole. Et au-delà de vous booster, nous vous donnons aussi des conseils qui vont vous permettre de mieux gérer votre projet. Ces derniers temps, il y a beaucoup de messages positifs que je reçois. Il y a un qui m'a appelé récemment, il m'a dit « Loïc, j'ai les employés dans mon champ, je viens de le créer, on a fixé les heures qui vont travailler, je crois que c'était de 8h à 16h. » Il me dit « Est-ce que tu trouves que les heures sont normales ?» Je lui dis « Non. » Il doit travailler de 7h30 à 17h30 avec tel nombre de temps de pause à midi. Applique comme ça. Et je lui ai dit, fais ça maintenant parce que si tu attends que le projet avance, ce sera compliqué de le faire. Il a appliqué. Il m'a appelé quelques jours après. Il m'a dit, Loïc, vraiment, ça a marché. Je suis content. Donc les gars n'ont pas dérangé. Et ça, c'est le genre de message que j'ai. Un autre message qu'un jeune homme m'a envoyé, il m'a dit, Loïc, vraiment, je me suis lancé dans le maïs, mais à cause de tes conseils, vraiment, mon champ est propre, je suis en train de réussir dans ma culture de maïs. Vraiment, il n'y a pas de plus grand plaisir que de savoir que les vidéos qu'on fait aident les autres, ou encore les uns et les autres, à se réaliser dans leur projet. Alors, mais dans cette vidéo, nous allons parler précisément d'études de marché. Mais avant de vous dire ce qu'il faut faire, laissez-moi vous dire ce qu'il ne faut pas faire. La première chose, c'est d'aller faire vos recherches sur Internet. En Afrique, la pire des choses que vous puissiez faire lorsque vous voulez rechercher un marché, c'est d'aller sur Internet. Parce que la plupart des informations ne sont pas à jour. Vous allez voir des informations, si nous sommes en 2021 par exemple, si vous cherchez des informations dans votre secteur d'activité, vous allez trouver des informations qui datent parfois de 2005 ou parfois de 2011. Donc, entre-temps, les choses ont changé, les choses évoluent tellement vite. Au point où vous ne pouvez pas vous fier sur les informations qui sont déjà biaisées parce que les informations sont anciennes. Donc, n'allez pas sur Google. La deuxième chose à ne pas faire, c'est d'aller vers les instituts étatiques pour chercher des informations. Parce que là-bas, vous pouvez avoir une information qui est plutôt ou plus ou moins fiable, mais vous ne l'aurez pas permanemment. Alors, si vous ne pouvez pas aller sur Internet, si vous ne pouvez pas aller voir les industries étatiques, la troisième chose que vous ne pouvez pas faire, c'est de recruter les gens pour les amener en route avec des fiches et poser des questions aux gens. Est-ce que tu manges ça le matin? Est-ce que tu manges ça le soir? À quelle fréquence est-ce que tu manges? Est-ce que tu es prêt à payer ça à tel prix? Vraiment, ça c'est un peu temps pour rien. Parce que je vous assure, vous donnez souvent un travail comme ça aux gens, que ce soit aux étudiants ou aux gens que vous avez payés. Les gars, un gars passe à soir au bar, il finit de boire sa bière, il remplit lui-même et puis il vient vous donner. Déjà que vous allez faire vos études sur des informations qui sont carrément biaisées du début jusqu'à la fin. Alors, si vous ne pouvez pas aller sur Internet, vous pouvez pas aller dans les institutions étatiques, vous ne pouvez même pas envoyer les jeunes sur le terrain. Comment donc faire une étude de marché fiable en Afrique? La première chose à faire, c'est de vous rapprocher autant que faire se peut vers les producteurs des éléments que vous voulez mettre sur le marché. Si vous voulez par exemple vous lancer dans l'agriculture, rapprochez-vous des agriculteurs. Si vous voulez vous lancer dans l'élevage, rapprochez-vous des éleveurs pour avoir une certaine vision de comment est-ce que la chose se passe. Et en Afrique, c'est même tellement facile. Vous pouvez aller même décider de travailler gratuitement dans une entreprise qui fait un produit similaire parce que vous voulez avoir l'information.
il y a très peu d'entreprises qui vont refuser de vous recruter pour que vous travailliez gratuitement. Donc, allez travailler dans une ferme, allez travailler dans une industrie, allez travailler dans une entreprise concurrente qui a peut-être fait un produit que vous envisagez faire. Et à partir de là, vous aurez de l'information. Parce que le plus difficile ici, c'est d'avoir l'information. Alors, si vous vous rapprochez des entreprises qui ont l'information, en lançant votre business, vous saurez déjà quelle est la cible, qu'est-ce que les gens achètent, à quelle fréquence, et cela va faciliter que vous puissiez mettre votre produit sur le marché. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de lancer votre produit, mais à très petite échelle. Et je le dis toujours aux gens, avant de conquérir le pays, essayez d'abord de conquérir votre maison. Faites un produit, vous faites goûter à vos frères. Si vos frères ou vos soeurs disent que c'est bon, goûtez aux voisins, après les voisins, ainsi de suite. Donc n'essayez pas à vouloir déjà conquérir l'Afrique alors que même sur place, vous n'arrivez pas encore à faire les chiffres. Et les réseaux sociaux trompent souvent les gens à ce sujet. Vous allez voir des gens qui ont un tout petit produit, ils n'arrivent même pas encore à faire peut-être 100 exemplaires de leur produit par mois, mais ils vont déjà faire des publications sur Facebook parce que ils se disent que c'est obligatoire que tout le monde soit en ligne. Déjà, il faut comprendre que ce n'est pas avec tous les produits qu'il faut aller en ligne. Comprenez qui est votre cible et essayez de répondre véritablement à ses besoins. Donc, si vous avez un produit, commencez par votre quartier. En Afrique, un quartier va contenir en moyenne 20 000 personnes dans les grandes villes. Donc, sur les 20 000 personnes, vous avez seulement 10% de taux de conversion et que votre produit est bon, vous avez quand même 2 000 personnes. Donc, et ce que les gens font souvent comme erreur, c'est de vouloir commencer grandement. Allez voir le boutiquier du coin, proposez-lui votre produit ou votre service s'il peut être vendu dans sa boutique. Donc, et ainsi de suite, vous allez prendre les retours des gens qui sont proches de vous. Et facilement, si ça prend dans votre quartier, dans votre ville, dans votre arrondissement, dans votre pays, vous pouvez encore faire des choses beaucoup, beaucoup plus grandes. La troisième astuce que vous pouvez utiliser pour faire une belle étude de marché. Là, on va beaucoup plus parler de l'étude de marché dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage. Discutez avec ces trois catégories de personnes si vous voulez vraiment avoir les informations. La première catégorie, ce sont les transporteurs. Je vous assure, les transporteurs connaissent qui fait quoi. Parce que parfois, ils portent le bois pour aller laisser dans un champ, ils portent l'engrais pour aller laisser. Ils font donc, à longueur de journée, ils font que ça, aller d'un point A à un point B. Ça fait qu'ils connaissent beaucoup de gens qui produisent beaucoup de choses. Donc moi, lorsque je veux parfois avoir des informations, je discute beaucoup avec les transporteurs et je vous assure, ils vont vous donner beaucoup, beaucoup d'informations. Parfois, ils vont vous dire, je transporte beaucoup de produits pour aller d'un point A à un point B et ça permet que vous sachiez, ah, si les gens font ça dans cette zone, ça veut dire que forcément, peut-être qu'il y a un marché là-bas et ça vous oriente. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les têtes de ligne dans les marchés. Peu importe le marché où vous allez vous rendre compte qu'il y a un leader. La période où je faisais les tomates, je me suis rendu compte qu'il y a l'association des vendeurs de tomates. Donc, allez être membre de ce type d'association pour avoir les informations. Qu'est-ce qui fait que les prix augmentent? Qu'est-ce qui fait que les prix baissent? Quand est-ce qu'il y a beaucoup de tomates sur le marché? Et en étant membre de ce genre de regroupement, vous allez facilement avoir les informations. Faites-le pour le poulet, faites-le pour le bœuf, faites-le pour ceci. Accédez même souvent à certaines associations, que ce soit de l'agriculture, que ce soit de l'élevage bovin, pour avoir les informations clés sur le marché. Parce que c'est eux qui ont les informations, puisque la plupart parmi eux sont les producteurs. La troisième catégorie de personnes que vous devez voir, ce sont les gens qui produisent déjà ce que vous voulez produire. Parce qu'il n'y a pas meilleur moyen d'avoir de l'information de quelqu'un qui produit déjà ou qui est déjà dans les services que vous avez envie de fournir. Tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo n'est que le goûter, n'est qu'une infime partie de ce que vous devez savoir pour véritablement réussir votre étude de marché. Un cours a été fait là-dessus, un cours complet sur comment vendre avant le produit dans lequel vous avez comment faire l'étude de marché, comment trouver un produit ou un service, comment créer la valeur ajoutée avec votre produit, comment vendre lorsque les marchés, lorsque les temps sont difficiles. Vraiment, c'est un cours qui est assez dense. Donc, et ce cours est disponible sur Sekucha. 100% des gens qui ont participé à ce cours ont dit « Waouh, ce cours est vraiment génial !» Parce que produire c'est bien, mais vendre c'est encore mieux. Alors, si vous êtes intéressé par la vente, si vous êtes intéressé par les réalités de la vente et de l'étude des marchés en Afrique, ce cours est pour vous.
Donc après cette vidéo, allez directement en description. Nous allons laisser le lien du cours sur comment vendre avant le produit disponible en vidéo sur Sekucha. Donc ne tardez pas, allez-y acheter votre cours et devenez d'excellents vendeurs en Afrique. Rendez-vous au sommet.